Yo tout le monde, c'est Grayson Digit. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vais vous montrer des pièces de monnaie Paris. Alors on me dit, mais pourquoi je suis dans le noir un peu? Alors pourquoi? Je vous explique. En fait, je suis dans le noir, c'est que c'est pour présenter les pièces. Donc là, ce que je vais allumer la lumière qui est là, vous voyez bien. Hop, vous voyez, hop. Et comme ça, la pièce, je vais vous poser dans le bien endroit, là, comme ça. Ici, comme ça, vous verrez bien un peu. Je vous montrerai comme ça, vous verrez les beaux dessins, c'est bien fait. Et franchement, c'est beau. Donc, avant que la vidéo commence, j'ai un compte TikTok, c'est Greg le Bégien. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à mettre en description. Franchement, vous allez rigoler, vous tapez des barres. Et moi, je vous dis à tout de suite pour une vidéo. À tout de suite. Alors, on reprend. Alors, oui, vous voyez pas ma tête, mais au moins j'ai un trépied pour vous montrer. Bon, voilà. Alors, c'est parti, les gars. Première pièce. C'est. Alors, j'essaie de vous la présenter. Vous voyez bien. Alors, celle-là, c'est. Futuroscope. C'est avec. Futuroscope. Alors, ça vient de Futuroscope et c'est avec Sébastien Loeb, le. Comment dire? Avec le celui qui conduit des voitures. J'espère que vous voyez bien. Je peux faire que ça pour vous voyez bien. Pour dire après, regardez, hop, expérience, voilà. Un peu flou. Je repose trépied. Alors, on est avec Zoo de la Palmière. Alors pour vous dire, c'est dans des, on peut en trouver dans des zoos aussi. Hein, voyez, zoo. En plus, c'est écrit Zoo de la Palmière. J'espère que la vidéo vous plaît. Regardez bien. J'essaie de pas. Voilà. Zoo de la Palmière, regardez bien. Je vous laisse. Franchement, c'est très beau. Alors, j'en ai pas des dizaines comme ça. Mais je peux en trouver d'autres. Alors, je reprends. Alors, ça, c'est l'appât crétin. Alors, bien sûr, c'est l'appât crétin. Vous voyez bien. Normal, parce que j'ai essayé. Alors, c'est Futuroscope aussi, hein, pour vous prévenir. Voilà. J'essaie de tourner pour que vous voyez Futuroscope. Ah, regardez. Allez, Futuroscope. Regardez. Ah. Futuroscope. Je sais pas si c'est un endroit. Bon, voyons que c'est écrit les lapins. Peut-être là c'est bien écrit. Je regarde vite fait les gars. Non, bah c'est en bas. Regardez en bas. La pièce elle est à l'endroit normalement. Ouais. Et normalement c'est écrit Futuroscope. Bon, on voit pas très bien, c'est écrit en petit, mais vous voyez bien que c'est Futuroscope, le crétin. Pour ceux qui ont vu la pub. Alors, on continue avec une autre pièce. Et celle-là vient du. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo, regardez. Alors, oula, attendez. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, La mer des sables à l'attaque du train. Alors, oui, j'ai une pièce comme ça aussi. Elle est magnifique, hein. Attendez, 2 secondes, les abonnés. Voilà, La mer des sables. Franchement, c'est magnifique, les gars. Et moi, je vous le conseille de voir l'attaque du train. Alors, la mer des sables, hein. Ah, vous voyez bien, hop là. La mer de sable. Bon, normalement on dit la mer des sables, mais là c'est la mer de sable. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette pièce. Voilà, désolé si je pose mon téléphone tout le temps. Voilà. Bon. Alors, celle-là, alors, celle-là, elle vient du zoo. Et moi, je vous conseille, ça vient Zoo la Flèche, si je me trompe pas, les gars. Ouais, Zoo la Flèche. Zoo la Flèche, voilà. Je mets la lumière parce que on voit pas très bien. Je sais pas si vous voyez. Voilà, Zoo de la Flèche. Voilà, Zoo de la Flèche. Magnifique, hein. Avec 2 tics dessus, c'est super magnifique. Bon, c'est quoi, je vais plutôt tenir le téléphone. Plutôt, ça va être simple. Oui, alors ça, je vais pas vous présenter parce que. C'est la même l'appât crétin parce qu'on en a acheté une pour ma soeur. Voilà, c'est la même, hein, vous voyez, l'appât crétin. Futuro. Ah voilà, là vous pouvez voir Futuroscope. Romain, j'ai bien fait le filmer. Alors ça c'est un deuxième. Parce que ça vient de ma soeur, vous voyez bien, Futuroscope. Comme si Master Lobe. Ceux qui n'ont pas vu. Et on va terminer avec la pièce que j'adore. Après, je sais pas si vous avez aimé. Alors oui, où je tourne là, il est 17h. Hein. Et celle-là, elle vient de. Si je vois. Ah, Fort Boyard. Alors, Fort Boyard, eh l'émission qu'on adore. Vous avez vu, vous avez vu que c'est une collection que. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à spam, enfin, à me dire si vous voulez d'autres. Alors, je n'ai pas.
Alors, tous les pistes que vous avez vues là, j'en ai que comme ça, ce sont les seules. Et désolé si je bug, mais c'est les seules pièces que j'ai. Et si j'arrive à en trouver d'autres pendant les vacances d'été ou autre, je vous refais une petite collection. Voilà, vous voyez bien, Fort Boyard. Franchement, j'adore. Et j'essaie de vous retrouver la Sébastien Loeb pour vous voyez que ça vient de Futuroscope. Voilà, ah, elle est là. Vous voyez bien, on peut. Allez, j'essaie de vous filmer ça. Attendez, j'essaie de vous filmer ça. Allez, Futuroscope. C'est pas du mytho. La voiture avec Sébastien Loeb et Futuroscope. Ça fait Futuroscope. Et c'est pas. Voilà quoi. Voilà, je vous ai montré toutes mes pièces. Enfin, voilà, toutes mes pièces que vous avez vues. Ah, les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous tourner cette vidéo. Et ça fait un mois. Si vous êtes encore là, c'est vrai que ça fait un mois que je suis pas, que j'étais pas actif. Je suis beaucoup sur TikTok parce que je passe mon temps à faire des TikTok, les mettre en brouillon, hein, vous connaissez. Et je reprends YouTube. Ça y est, je reprends YouTube. Vous inquiétez pas, ma chaîne n'est pas abandonnée. Hein, je vous rassure. Je continue YouTube. Vous inquiétez pas. Pour moi, c'était vraiment. Alors, vous avez vu un tir projet X. Hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un projet X. Voilà. C'est pas un partenariat. Hein, je vous dis déjà, je suis pas un partenariat. Voilà. Ah oui, parce que pour vous dire, j'ai un trépied. Donc, je remercie à la personne qui m'a fait un trépied. Elle va se reconnaître dedans. Si tu regardes la vidéo, bien sûr. Et franchement, c'était une belle présentation. Voilà. Franchement, n'hésitez pas à liker, de vous abonner. À ma chaîne YouTube, activez la cloche. Je reprends YouTube. Vous avez vu, je reprends la chaîne entre les mains. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça me fait plaisir. Mettez un maximum de commentaires. Mettez un maximum de commentaires. Je lis vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et aussi, vu que je suis sur YouTube, ah oui, aussi TikTok. Hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je me répète parce que c'est obligé. Parce que sinon je me dis, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? Parce que je me répète et je me dis, bah voilà, comme là, je me dis, est-ce que, voilà quoi. Bref, on s'en fout, franchement. Le principe, c'est que vous aimez mes vidéos. Donc, franchement, dites-moi si vous en voulez, si j'en trouve encore pendant les vacances d'été. Parce que, voilà, bon, on est loin des vacances d'été. Mais si j'en trouve, je vous referai une vidéo. Et comme ça, vous me mettez oui ou non. Et bientôt, bah, je vais refaire des lives sur ma console. Et sur TikTok, bientôt, bon, j'ai pas encore les 1000, mais j'essaie d'atteindre les 1000 abonnés sur TikTok, voilà. Donc, le TikTok, vous l'aurez dans la description. Et sur ce, les gars, et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, c'était Grace en 18. Allez, ciao!